Ésaïe, chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moude la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, « À toujours je serai souveraine. » Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse qui t'assieds avec assurance et qui dis en ton cœur, « Moi et rien que moi. » Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, « Personne ne me voit ». Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, « Moi et rien que moi ». Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Ésaïe, chapitre 48. Écoutez ceci, maison de Jacob. Vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas « C'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. » Tu entends ? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas ? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises point « Voici, je le savais ». Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 49. Ils, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois, et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai et au jour du salut je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs « sortez » et à ceux qui sont dans les ténèbres « paraissez ». Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemins et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagnes, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point.
Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui dévoraient s'éloigneront, ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul, ceci, où était-il? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe, chapitre 50. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendu, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Ésaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel,
Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées, qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée, qui suis-je pour te consoler? Tes fils, en défaillance, gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargés de la colère de l'Éternel, de menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin, ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient « Courbe-toi et nous passerons ». Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Ésaïe, chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis ni un pur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem.
détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne ». La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe, Chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe, chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai les créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ésaïe, chapitre 56. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, « Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Ésaïe, chapitre 57. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car, loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile.
tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues, et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement, et qui redoutais-tu, qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ésaïe, chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasis la main indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches,
celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe, chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en a brisé un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ésaïe, chapitre 60. Lève-toi,
Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Apha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,
une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ésaïe, chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive, voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Ésaïe, chapitre 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir.
et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur. J'ai répandu leur sang sur la terre. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. » Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchassent? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ésaïe, chapitre 64. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi, mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple.
Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Ésaïe, chapitre 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. » De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par-devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. » J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. » Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple
seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 66. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui molle un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, voilà ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné la naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car, voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel.
Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappée vers les nations. À Tarsis, à Pule et à Lude qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.